Le métro jusqu'à la Bège, c'est presque fait. Hier soir, Pierre Cohen et François-Régis Valette, président du SICOVAL, ont annoncé un accord politique dans le cadre du plan de déplacement urbain. Le président du Grand Toulouse et du syndicat mixte des transports en commun ont adopté le principe du prolongement de la ligne B du métro de Ramonville à la Bège. Annonce qui réjouit les usagers. Je vais faire très souvent mes courses à la Bège. Et ça serait une très bonne solution, oui. Ah bah ce serait génial. Enfin, moi, je sais que mon entreprise est à la Bège. J'habite près du métro et si je pouvais prendre le métro, c'est clair que je le prendrais. Estimé entre 341 et 370 millions d'euros, financé en partie par Tisséo, le Conseil Général et le SICOVAL, le prolongement de la ligne B du métro devrait permettre le désengorgement du trafic de la rocade entre la Bège et Toulouse. En voiture, si je prends la rocade le matin aux heures de pointe, je mets 3 quarts d'heure pour 10 minutes en temps normal. Ouais, donc si je peux prendre le métro pour venir, c'est génial. Circulation vers la Bège, c'est complètement saturé à 19h, à 17-19h et le matin, donc il était temps que les gens puissent se déplacer en métro vers la Bège. En ce qui concerne le calendrier, les études démarreront mi-2012 pour une durée de 2 ans et demi environ. Une fois le montage financier et la mise en enquête publique terminée, les travaux devraient débuter en 2015 pour une durée de 4 ans.